Bonjour, aujourd'hui c'est journée terrain. Je m'apprête à partir sur la Salvetat pour finir l'inventaire zone humide que j'avais démarré l'année dernière. Si vous le voulez bien, aujourd'hui, on va faire le tour du matériel dont je vais avoir besoin pour mener à bien cet inventaire. Je vais partir avec mon GPS, qui va me permettre de situer et de délimiter les zones humides que je rencontrerai. Je vous l'accorde, il m'est très utile aussi quand mon sens de l'orientation est mis à rude épreuve. Ensuite, il me faut mes cartes pour pouvoir me repérer et savoir également où je vais, des zones potentiellement humides ont été délimitées, il faut que j'aille voir sur le terrain si elles sont réellement en zone humide. Mes fiches de terrain qui vont me permettre de noter les espèces végétales que je rencontrerai, les habitats, le type de zone humide rencontrée et également les facteurs et influençant leur évolution. Il me faut la tarière pour connaître la profondeur et la nature du sol, et mes fidèles amis, les bottes. Voilà, mais écoutez, je crois qu'on a fait le tour, et c'est promis, la prochaine fois, vous venez avec moi.